Bonjour. Bonjour. Roxane. Loïc. Enchantée. C'est vous qui venez pour le test d'intelligence? Oui, c'est ça. Eh ben, on va rigoler. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. T'as rigolé. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chats, chats. Un jour dans sa cabane, un tout petit petit indien. Ninou, est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre un pitbull et une belle-mère? Non. Le pitbull, des fois, il te lâche. Je pense qu'on peut commencer cette vidéo. Bonjour les gourmandises, je ne sais pas que vous allez bien. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Ça va super méga giga bien, on est au... Taquet! Oh yeah! Oh yeah! Ça me va bien ce petit oh yeah! Je le gère. Viens, refais-le. Oh yeah! Oh yeah! Non. On dirait un peu mec et j'ai. Bidit! Oh yeah! Oh oh! Bidit! Tu sais que je sais faire le moonwalk. Attends, regarde. Mes amours, le titre de cette vidéo parle de lui-même. Aujourd'hui, c'est important. Qui est le plus intelligent? Bon, j'ai déjà la réponse. Moi aussi. On voulait pas faire un test classique, culture générale. Exactement. Parce qu'on trouve que c'est très aléatoire ça en fait. Bah en fait moi je trouve que j'ai toujours trouvé ça bête de dire que quelqu'un est intelligent juste parce qu'il est hyper calé en politique ou hyper calé en histoire géo. Je trouve que c'est un peu même stéréotypé l'intelligence. Et c'est plus de la culture générale au final, ouais, que d'intelligence. Ça. Nous aujourd'hui on va se faire des tests où vraiment on va voir vraiment l'intelligence. Ouais. Là, on va au plus profond de nous-mêmes. Il faut savoir qu'on a mis des mois et des mois à trouver ces tests. Ça a été beaucoup, beaucoup de recherches. On a dû aller voir des scientifiques très, très haut classés. On a fait des voyages et tout. Ah ouais, ça a été des allers-retours. Là, on va aller vraiment là, tu vois, ouais, au fin fond. Alors, ce qu'on a fait, c'est que du coup, les scientifiques, ils ont vu qu'on était très, très, très différents. Et on a vraiment choisi un test chacun. Donc Loïc a choisi un test pour moi et moi j'ai choisi un test pour Loïc. Bon, je vous préviens, vous risquez de rien comprendre aux questions, quoi. C'est des thèmes très 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 compliqués. Voilà. Ninou, quel est le thème que tu as décidé de me faire aborder? Je ne le connais pas. Alors mon chaton, aujourd'hui, ouais, je vais te faire un test de QI, ouais, sur Disney. C'est très très dur. Ah ouais. Et moi j'ai quoi? Et donc nous en fait ce qui s'est passé c'est que la semaine dernière je suis parti 2 jours à Berlin avec le professeur Frankenstein pour... Alias Einstein. Alias Einstein. Pour en fait vraiment voir, on s'est dit par rapport à Roxane, qu'est-ce qui vraiment serait bien pour voir ce qu'elle a dans la caboche quoi. Et, ouais. Et donc ça va être un test sur le football. Donc vous l'avez compris, j'ai toutes mes chances. Hein. C'est... Je suis tellement calée sur le sujet, c'est... Moi je dis je fais une question, t'en fais une. Ok, on fait comme pour les amours. Voilà. Donc moi ce que je vous invite à faire pour cette vidéo c'est déjà là maintenant exploser le compteur des pouces bleus. Comme ça si ça vous plaît on refera d'autres tests de QI, ouais, sur d'autres thèmes. Bien vraiment sûr. On refera plein de voyages pour trouver des QI très très intéressants. Ouais, ouais, ouais. Je vous invite à regarder les questions et à nous donner aussi votre note finale en commentaire, ouais, en dessous. Donc il faut savoir qu'il y a 8 questions donc le score final sera sur 8. On commence, on fait pierre feuille ciseaux, celui qui gagne il pose la première question. Shifumi, Shifumi. En fait on fait toujours le même, ouais, je crois. Je commence. Allez. Le public, vous allez avoir un indice qui se met en bas. Là il n'y a pas d'indice. Non je sais mais toujours vous faire ça. Quelle est l'équipe nationale qui a gagné le plus de coupes du monde? Attention, tu as le choix entre 4 pays. Ah c'est des questions à choix multiples. Oui. Ok. L'Allemagne, Argentina, Brésil et Italie. Déjà je suis assez scandalisé qu'il n'y ait pas la France mais... C'est le Brésil. Combien de coupes du monde? Non mais je sais pas mais c'est le Brésil. Je crois qu'ils en ont gagné au moins 4. C'est ça? Non, c'est 5 coupes du monde mais c'est le Brésil. Et franchement... Bravo Ninou. Et j'ai un point, j'ai un point, j'ai un point, j'ai un point. J'imagine les gars ils font ça à qui veut gagner des millions ou question pour un champion. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. J'ai un point! J'ai un point! Allez vas-y Ninou. Ce qui est bien c'est que je ferai un montage où je mettrai les petites questions, là ça peut être sympa comme ça vous pouvez les lire en même temps si on articule mal. Exactement. Parce que Loïc a des problèmes d'articulation. D'ailleurs t'as ton rendez-vous chez l'orthophoniste, orthophoniste. Tu viendras avec moi donc. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis archi fan de Disney. Loïc adore l'univers Disney. Non, moi je suis fan. Mais ce qui est étrange, j'ai très peu vu. C'est qu'il a vu, il a très très peu vu de films, ouais, Disney, de dessins animés de Disney. C'est vrai. Donc des fois on va à Disney dans Pinocchio, il me fait oh c'est... Ouais, Pinocchio, oh, c'est pas c'est... Non il me dit c'est... Je vais avancer l'heure de l'orthophoniste. Non mais il me dit, ah oh, c'est dommage, j'ai jamais vu ce dessin animé. Et en fait il en a vu pas vraiment pas beaucoup. Les récents, voilà. Vas-y. Première question. Dans La Petite Sirène, qui n'est pas la fille de Triton? Tu sais qui c'est Triton au moins? Oui c'est le dieu de l'eau là. Andrina, Adora, ouais,
Atina ou Alana? Alors, je pense que c'est Atina. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bam! C'était Alana. Non. Ah. C'était. Andrea. Non. C'était Adora. Adora. Donc, ben, écoute, 0-1, mon voilà, chien. On est mal. Sur quel score s'est imposée la France en finale de l'Euro 2000 face à l'Italie? Ah, je le sais. Bisous, Alexia, si tu regardes cette vidéo. Attends, je le sais. C'était en quelle année? Attention, déjà, c'est après prolongation. C'était en quelle année? En 2000. C'était en 2000. But de ton fou. C'était David Trezeguet. C'était en prolongation, donc c'est-à-dire qu'il y avait un match. Donc il y avait au moins 1-1 ou 2-2. Donc moi je dirais qu'ils ont gagné 2-1. Ah, je t'ai pas dit les trucs. Ah bah oui, c'est vrai, il y a des choix. Tu vois, même pardon, sans choix. Allez, vas-y. Attends, t'as dit quoi? J'avais dit 2-1. Attends, c'est ça. C'est ça. Sans les choix multi. J'ai un point, j'ai un point, j'ai un point, je suis trop intelligente. Quelle phrase dit la reine sorcière dans Blanche-Neige? Miroir, mon beau miroir, qui a beauté parfaite et pure? Ou miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Ouais, mais c'est quoi ces questions? Miroir, mon beau miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure? Ou miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle? Moi, c'est la dernière. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ben oui, c'est sûr, c'est ça. Bah, mais comment faux, ça? Faux! La vraie phrase, c'est miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? C'était la 2. Et 1, et 2, 0. En quelle année l'Olympique de Marseille a-t-il gagné la Ligue des Champions? Ok. 1991, 1992, 1993 ou 1994? Allez, pour faire hommage à mon petit frère, 92. Eh non, c'était 1993. C'est pas grave, j'ai 2 points d'avance. Allez, j'ai moyen de revenir là. Ça là, il faut que j'ai juste là. Dans le dessin animé Réponse. Ouais. Flynn Rider. Qui? Bon allez, je vais t'aider, c'est le chéri de Réponse. Oui, ok, c'est bon. Il est recherché mort ou vif car selon l'affiche, il s'agit d'un bandit, ouais, un voleur, un traître ou un cambrioleur. Donc j'hésite entre bandit et voleur parce que déjà il a... Bandit, voleur, vaut rien. Non, rien qu'un morceau de pain. Allez, tiens, il te reste 5 secondes. 5, 4, 3, 2, voleur. 1. Et c'est une bonne réponse. La remontée de Ninou. Combien de fois le Real de Madrid a-t-il gagné la Ligue des Champions? 8, 9, 10, 11. Alors moi j'ai un truc dans les trucs à choix midi, je prends jamais les extrêmes. Je dis 9. Eh non Ninou, c'était 11. Ah, oh, j'étais sûre. C'est incroyable quand même, c'est beaucoup. 11. Hein. Ninou, quelle pantoufle de verre Cendrillon a-t-elle laissée au bal? La gauche ou la droite? Parce qu'elle est assise là comme ça et elle tend son pied. Il n'y a pas de logique à tendre le pied gauche, donc je pense que c'est le pied droit. C'était le pied gauche. Est-ce que je fais bien le buzzer quand c'est faux? Tu fais bien. Quel est le club qui a gagné le plus de fois le championnat de France? L'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Etienne, l'Olympique Lyonnais, le FC Nantes. Je vais dire Saint-Etienne. Bravo. C'est ça? Bravo. J'ai un point, j'ai un point, quand même que là, j'ai un point, j'ai un là, point. Je sais que Saint-Etienne a gagné énormément, mais j'ai un doute. Ah, t'es pas sûr. Je me demande si c'est pas l'OM quoi. Bref, on va dire Saint-Etienne. Ça fera un point de plus au pire. Tu es dans cette vidéo. Donc j'ai 3 points, là, tu as un point. Donc là, je joue mon joker sur ça là, ok? Non, il n'y a pas de joker. Termine ces paroles. Vois ces trésors, vois ces merveilles. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. Des merveilles du monde entier. Il y a tant à découvrir. Toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. Ouais, c'est ça, c'est la quatrième. Et bam, 3-2. Mais n'importe quoi, mais. Bravo, Ninou. Toutes ces richesses qui brillent comme du soleil. N'y crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? 3-3, mon Ninou. Ah non, 3-2. J'ai joué mon joker, Ninou. Non, il n'y a pas de joker. Allez, question suivante. Qui a dominé le championnat de France entre 2001 et 2008 en gagnant 7 fois d'affilée le championnat? L'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain ou l'AS Saint-Etienne? J'hésite entre Lyon et PSG. Parce que je sais que Lyon, ils ont été super forts à une période, non? Ouais. PSG. Aïe, aïe, c'était Lyon. C'est pas vrai, c'est vrai? Mais pourquoi tu me l'as pas dit quand je t'ai demandé? Je veux pas te répondre. Bah oui, t'aurais pu m'aider, tu m'aimes. Mais dis-nous, c'est logique, Paris en ce moment, ils gagnent tout. Dans Pocahontas, qu'a vu Pocahontas dans son rêve qui la pousse à croire qu'un changement arrive? Je l'ai pas vu. Une flèche qui tourne, une formation nuageuse étrange, ouais, un aigle encerclant son village ou un feu bleu incandescent?
Alors là, sans hésiter, parce que je suis vraiment très calé en tout ça. Et je pense que c'est un feu bleu. Mauvaise réponse, c'est la flèche qui tourne. Ah bon? Mais oui, Ninou, mais t'as jamais vu Pocahontas, bref. Bah, moi, écoute, quand je vais chez les Indiens, c'est des fleux bleus. Des fleux bleus, oui. Putain, l'orthophoniste, là, il va avoir du boulot, hein, je vous le dis. Quel est le club ayant gagné le plus de fois le championnat d'Espagne? Le FC Barcelona, l'Atlético Bilbao, l'Atlético Madrid. Attends, et le Real Madrid. C'est quoi le deuxième? Ben, l'accent espagnol. C'est le Real de Madrid. Bah alors, moi je pense que c'est ça, mais j'ai un doute. Non, mais dis-moi oui ou non, t'es sûr? Moi je marque le point. Moi dans ma réponse j'ai mis ça, mais j'ai un doute. Bah allez, c'est ça, bravo. J'ai marqué un point. Attends, on est à combien là? 4 à 2. Dans Aladdin, que donne Aladdin à manger à un enfant pauvre malgré les Dans Aladdin, que donne Aladdin à manger à un enfant pauvre malgré les protestations d'Abou? D'accord. Des dattes? Non. Des pommes? Ah putain. Du pain ou du fromage? Sincèrement, je crois que c'est des pommes. Oui, 4 à 3! Putain, c'est du pain! Il a volé la pomme! La pomme, il a donné à Jasmine! Mais ouais! Non. Je te propose un deal. Alors, c'est quoi le deal? On remet les compteurs à zéro pour la dernière fois. Non. Écoute, mais c'est trop dégueulasse. Écoute-moi, Nino, écoute-moi. Je m'engage, si je perds sur cette dernière question, à faire un post Instagram ouais. Où je mets une photo de toi et j'avoue ta suprématie intellectuelle sur tous mes réseaux sociaux. Par contre, non. Si je gagne... Mais c'est pas juste. Si je gagne, tu t'engages à en faire de même. Ok, vas-y, ça me va. Mais franchement, c'est pas équitable. Parce que tu connais même pas les réponses à tes questions. C'est et vrai. Je t'ai grave à moi. Bien. Bon, attends, Sandy, c'est bien tes joueuses. Combien d'équipes comportent les championnats d'Allemagne? 16, 18, 20. Attends, je comprends rien. 22. 16, 18, 20, 22. Alors, 22. C'était 18. Oh là. Du coup, si tu te trompes aussi là, on va dire que si tu te trompes, ouais. On prend les scores de base. Ouais, t'as gagné. Okay. Voilà. Donc là, si tu te trompes, j'ai gagné. Si tu réponds juste, t'as gagné. Allez. Ok. T'es un champion. Sur les épaules de qui Simplet se tient-il pour danser avec Blanche-Neige durant la scène La Tyrolienne des Nains? Doc, Grincheux, Hatchoum ou Joyeux? Alors, soyons clairs. Déjà, c'est pas Grincheux. Parce qu'il aurait râlé. Donc, je vais dire Grincheux. Tu dis Grincheux? C'est ton dernier mot? Non, c'est Doc, je suis sûr. Mais non! Je sais pas, je l'ai pas. C'est Hatchoum! Même que quand il danse là, après, il éternue, il se casse la gueule et tout. Sache que je suis très heureux aujourd'hui d'être lié à toi, car tu es une personne d'une intelligence rare, qui ne sait pas parler, mais... Allez, non, ça y est! Non, mais de toute façon, il fera un post sur son compte Instagram. Tu sais ce qui aurait pu être drôle? C'est que la prochaine fois, on fait ça, mais sur notre... Là, moi, tu m'as posé des questions sur ton thème. Sur un thème qu'on gère vraiment. Franchement, donc, moi, toi sur le foot et moi sur Disney. Ça serait cool. Okay. Franchement, on fait ça la prochaine fois. Ça vous dit, les loulous? Bon, mes amours, cette vidéo est maintenant terminée. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, franchement, c'était une bonne idée. Vous savez, j'ai perdu Ninou, je vais finir toute seule. C'était une bonne idée de vidéo, on s'est bien marré. On vous laisse, on vous fait une avalanche de gros bisous d'amour. Et on se retrouve dès mercredi dans une nouvelle vidéo. Ah, et la semaine prochaine, rendez-vous samedi prochain à 10h pour une vidéo des Ninous, mais c'est pas vraiment des très très spécial sur le thème de la Coupe du Monde. Donc soyez au rendez-vous samedi prochain. On vous aime. Et vous rencontrez tous nos amis. Ciao.